Hello, hello les potos, voilà c'est Sean Glacier sur XDéfiant. Voilà, un jeu de FPS avec plein de modes de jeu que je vous présente vite fait pour ceux à qui ça intéresse et qui débutent. Alors, vous avez le premier mode, mode entraînement. Alors, entraînement, hein, forcément, ça va être des cibles, des obstacles. Voilà, c'est fait pour s'entraîner à tirer. Classé, voilà, là c'est le niveau vraiment supérieur à débloquer au niveau 40. Alors il va falloir jouer, hein. Vous voyez, moi je suis déjà au niveau 35, vous le voyez, c'est à côté de mon nom là-haut, seanglacier.fr, 35, voilà, arrivé à 40, ça sera débloqué. Après, non classé, alors vous allez commencer par ça, hop là, vous allez cliquer dessus, vous allez vous retrouver là, et vous allez avoir des modes de jeu. Alors, liste d'arène, voilà, là c'est en gros c'est aléatoire, escorte, contrôle de zone, domination, occupation, Cador, je sais pas trop encore ce que c'est Cador, j'ai pas joué encore, ça match à mort en équipe, voilà, quand vous tuez les gars ils réapparaissent pas, vous tuez toute l'équipe et c'est vous qui gagnez. Alors je sais pas trop encore, je l'ai pas encore fait celui-là, mais je pense quand même qu'il y a... Vous devez avoir, je pense, un pourcentage de décès. Je pense, si c'est comme les autres jeux. Et là, c'est capture du drapeau. Voilà. Alors, après, vous choisissez ce que vous voulez faire. Moi, je fais, ces temps-ci, je suis sur occupation. J'ai déjà fait escorte, contrôle de zone, domination. Et je suis sur celui-là. Vous voyez, ça lance automatiquement. Alors après, vous voulez sortir, vous pouvez sortir, vous faites comme ça, vous revenez encore en arrière, vous voyez, jusqu'au début du jeu, le début du jeu, c'est là. Alors, phase de combat, nous, on regarde pas ça, là, c'est les, voilà, c'est ce que vous pouvez choisir. Moi, j'ai déjà débloqué le premier, vous voyez. Là, c'est la faction que vous voulez, nettoyeur, fantôme, etc., etc. On va aller dans équipement. Alors là, c'est vierge. Vous voyez, c'est marqué comme ça, personnalisé. Alors, ce que vous allez faire, vous allez vous jouer, je sais pas, n'importe lequel. On va faire celui-là ensemble. Voilà. Hop là. Vous vous retrouvez sur l'arme que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez défiler à droite. Voilà. Vous choisissez l'arme que vous voulez. Alors moi je vais dire une bêtise, je vais prendre, je sais pas, je vais prendre celui-là, allez on va prendre celui-là, on va le mettre, vous voyez, hop là, après on va là, on choisit ce qu'on veut mettre dessus, bien sûr. Alors une fois que c'est tout débloqué, ben à vous de voir comment vous voulez le jouer, hein. Moi je pense que tout ce qui est PM, c'est fait pour faire du corps à corps, donc pour moi ça va être plus de dégâts. Cherchez pas la stabilité, la précision, c'est munitions et puissance de feu. Après, tout ce qui est fusil d'assaut pour tirer de loin à mi-distance, ça va être plutôt stabilité. Stabilité, précision. Voilà, pour débuter. Pistolet, c'est pareil. Alors après, vous avez juste à faire B et ça, sauvegarde. Donc une fois que vous avez sauvegardé, vous voyez, vous, je vais dessus, vous voyez, hop là. Vous cliquez et là, vous avez renommé. Donc vous renommez, vous l'appelez comme vous voulez. On va la mettre... Vector. Voilà, on va l'appeler Vector. Entrée. Là, vous avez la boutique. Là, vous avez votre profil. Voilà. Stade de carrière, défi, résultat. Là-haut, vous avez... Donc, quand vous avez, vous allez là, profil, vous avez résultat. Vous allez là, en bas. Vous voyez, votre classement, il est là. Donc, moi, je débute, hein, dans le jeu. Je suis pas encore... voilà.
bien stuffer, savoir à se placer aussi. Arme. Là, c'est ce que vous gagnez. Hein. Quand vous voyez un là-haut ou plusieurs, c'est ce que vous débloquez. Sur l'arme, bien sûr, que vous avez pris. Hein. Vous avez des niveaux. Hop là. On va retourner. On va faire jouer. Occupation. On va faire une partie pour vous faire voir. Vous allez voir quand ça se lance, tout simplement. Attendez, on va faire plus vite. On va prendre aléatoire. Ça va aller plus vite. Parce que le mode aléatoire, il va trouver les parties avec les joueurs directs. Si je me trompe pas. C'est un petit peu long à charger. Là, vous avez activé les boosts. Alors, les boosts, je conseille, il faut activer le week-end, apparemment, ce qu'on m'a dit. Voilà. Alors, ça, c'est... Vous pouvez le faire, hein. C'est vraiment pour aller plus vite dans l'XP, etc. C'est un boost, tout simplement. Allez, ça charge, vous voyez, il a déjà trouvé. Sur le premier, vous êtes sûr de trouver du monde. Après, sur certains, peut-être un peu plus de mal. Mais bon, le jeu, il est assez récent. Donc, vous devriez avoir pas de problème. Vous en faites pas. Les réglages, on pourra toujours regarder ensemble. Mais les réglages, j'ai vu qu'il est pré-réglé et c'est plutôt correct. Alors là, vous choisissez celui-là que vous voulez jouer. Alors moi, c'est celui-là que je mets en fantôme par moment. Voilà. Là-haut, n'hésitez pas à changer parce que vous allez être prédéfini comme ça. Voilà. Là, vous choisissez, mais c'est toujours les armes de base. C'est ce que vous allez avoir en premier. Et une fois que vous avez enregistré vos armes, ceux-là que vous voulez jouer et monter, vous voyez, vous faites non classé. Et là, vous pouvez choisir une arme. Alors moi je vais prendre la BM parce que là apparemment c'est les coursives, ça va être raccord. Après ça dépend le mode de jeu, quand vous avez plus de distance il faut pas hésiter. S'il m'a vu. Zone de capture contestée. Ah bah il y en a un. Ah mais je crois qu'il s'est fait tuer. La zone est prise d'assaut. La zone de capture se déplace. J'envoie son nouveau lieu sur votre obsac. Faut aller prendre la zone. Ah, je l'ai raté. Il s'est mis à glisser là. Sécuriser la zone de capture. Alors tout est bien équilibré dans le jeu, hein, vous verrez. Ah, j'ai jeté une grenade aussi. Ah, je sais pas si elle a fait son effet. On s'empare de la zone.
Ah, j'ai eu. Alors là, vous voyez, quand vous réapparaissez, vous pouvez changer. Voilà, de compétences. Vous pouvez changer de compétences. Vous pouvez changer d'arme. Voilà, vous voyez. Alors, on va prendre celui-là. Ah! On va rechanger. Hop. Prendre la PM. J'envoie son nouveau lieu sur votre OPSAT. Attention, quand vous êtes blessé, restez dans un coin couvert pour récupérer. Ah, mais c'est pas possible, je vous ai raté à bout portant, quoi. Je l'ai raté à bout portant, les amis. Il y en a un là-bas. Ah, trop tard, trop tard, trop tard. Je suis parti trop tard. Allez, on va se camoufler. Ah, je me suis camouflé trop. Il m'a mis deux balles jolies. Je les ai vus arriver, mais il y en avait trop là. Il y en avait quatre qui. J'aurais dû commencer par le dernier. Bon, allez, faut aller récupérer la zone parce que là, je sais pas ce qu'on fait. Les alliés sont sur la zone. Allez, c'est pas possible, je suis en train de tirer. Ah, ça me le compte pas, quoi. Putain. La poisse, hein. Quand vous vous croisez comme ça en courant. Hein. Ah, je l'ai pas eu. Ah, je l'ai pas eu. À une balle près. N'hésitez pas à, voilà, à jouer avec le décor. Hein. Vous mettre sur les bords et tout. Je l'avais, c'est comme par hasard, il s'est mis à tirer, quoi. Allez, 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 allez. Super, il m'a sauvé. Eh bien joué les gars. Allez, ah, j'ai la poisse. J'ai la poisse. Ok, pas grand chose. De toute façon, on va perdre. Ouais, grenade. Ah, je suis pas très bon en PVP, hein. Je suis un joueur PVE. La zone est prise d'assaut. On fait ce qu'on peut. C'est comme tout, à force de jouer, ça va venir, les gars. Allez, ils sont partis à l'autre là-bas. Je sais pas ce que je fais, je campe. Allez, 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 allez.
Faut y aller là les gars, il faut prendre. Ouais, c'est bon, on l'a pris. La zone est prise d'assaut. Ah. La zone de capture est déplacée. Bien, hein. Allez, c'est pas possible, je lui ai mis un coup de latte, il me l'a pas compté, il était trop loin. La zone est en danger. Je pense que c'est évidente. Il est temps de réfléchir à nos options d'extraction. Ah mince. Ah, c'est celui-là derrière qui m'a tué, non? Je pensais que ça allait être celui-là de devant. Zone compromise. Là, même en essayant de se réveiller, on n'arrive pas à remonter. Hein. J'envoie son nouveau lieu sur votre obstacle. Nous sommes sur la zone. Fallait jeter une grenade là. Ah, défaite les gars. Bon, vous verrez, vous voyez un peu comment faut jouer, comment exactement un petit peu, voilà. Moi je vous dis, hein, je débute. Mais franchement, je trouve que c'est un... Je suis pas un joueur PVP et franchement, je me régale. Franchement, ça reste dans l'esprit un peu de tous les jeux. Vous voyez, il y a Division. C'est vraiment... C'est sympa. Allez, on continue à regarder un petit peu. Ça vous fait voir un petit peu le jeu en global. Pour vous donner une idée si ça vous intéresse comme jeu. Alors bien sûr, il n'y a pas de PVP, hein. Pas de PVE, je veux dire, c'est que du PVP pur. Hein. Voilà, voilà, hop là, vous allez là-haut, c'est ce que vous gagnez. Voilà, vous voyez. Alors il y a certains niveaux, hein, et puis vous gagnez, vous débloquez. Donc après, vous allez sur équipement. Hop là, je crois que c'est sur la PM qu'on a gagné quelque chose là. Ouais, là, une bouche. Après, vous regardez vos stats, là, vous voyez. Hop là. Alors moi, ce que je recherche, c'est vraiment la puissance de feu, des munitions. Vous voyez, il y a quand même de la stabilité, la précision, j'en ai très peu. Là, c'est apparence. Là, c'est maîtrise. Bon, alors là, c'est sûr que là, il y a de sacrés niveaux. Hein. Le premier niveau, c'est 100. Vous voyez, c'est marqué à droite. 150, 200, 300, 350, 400. Là, pour arriver là, il faut jouer. Hein. Il faut jouer beaucoup, les amis. Alors là, on fait quitter parce que sinon, ça va relancer. Hop là! Alors, après, les paramètres. Alors, moi, je joue à la souris. À la manette. Donc, pour ceux qui jouent au clavier, c'est là. Manette, c'est là. Vous voyez, c'est déjà pas mal. C'est réglé comme il faut. Pour ma part, j'ai rien touché. Après, c'est à vous de voir. Audio.
Enfin, je vous fais une vue d'ensemble du jeu. Graphisme. Langue. Voilà les amis pour une présentation de ce jeu pour ceux que ça intéresse. Franchement, je le trouve vraiment bien, il est stable. Vous allez vous régaler. Et je vous dis les amis, à peluche !